Bonjour et bienvenue à cette autre édition de Visage de l'Unité où on découvre la personnalité de certaines personnes qui œuvrent au sein des communautés de l'Unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un beau jardin. Il fait beau, on entend les oiseaux, des belles odeurs aussi des lilas qu'il y a ici. Et je suis surtout avec Sœur Jeanne d'Arc Poulin. Bonjour, Sœur Jeanne d'Arc. Bonjour, Jean-François. Merci de nous accueillir dans votre jardin. Ça fait plaisir. Et là, on va prendre le temps un peu de se connaître. Je sais que vous êtes, vous fréquentez souvent l'Église Saint-Esprit. On vous connaît comme religieuse. Alors, peut-être nous situer un peu de quelle congrégation vous êtes, depuis combien d'années, puis quel est votre lien avec la parole, avec l'Église ici? D'accord. Alors, je fais partie de la congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie, qui est née en France en 1860. Puis, je suis religieuse depuis 55 ans. Alors, puis je suis heureuse, très heureuse de faire partie de cette congrégation mariale aussi. Mm-hmm. Alors, c'est pour moi une façon aussi de faire connaître Marie que de faire partie de cette congrégation. Et puis, comme implication au niveau de la paroisse, c'est plutôt que j'essaie d'être une oreille pour les gens qui ont été des nouveaux arrivants. Parce que comme je fais du bénévolat auprès du service d'aide néo-canadien, le service d'aide néo-canadien, c'est ça. Alors, il y a des gens un peu partout dans la région. Mais moi, j'essaie beaucoup de me concentrer sur ceux qui sont dans les paroisses de notre unité. Mm-hmm, c'est bon. Avant justement de parler de votre implication là, vraiment dans le concret, vous m'avez parlé de 55 ans de vie religieuse. Oui. Donc, j'imagine que vous avez une expérience missionnaire assez diversifiée. Peut-être nous parler un peu de... quelles ont été vos principales, si on peut dire, occupations missionnaires? OK. J'ai surtout été, moi, dans le secteur de l'éducation. J'ai été enseignante au primaire et davantage dans l'Estrie. Seulement quelques années du côté d'une autre région. Et quand j'ai quitté l'enseignement, j'ai été directrice des pensionnaires à notre collège François de la Place à Waterville pendant 15 ans aussi. Alors, je dirais que toute ma carrière a été en éducation. Et quand j'ai laissé le collège, à ce moment-là, je me suis orientée davantage au niveau de la pastorale, du côté de la Beauce. Alors que je suis native de la Beauce, mais je n'étais jamais allée faire mission dans la Beauce. Alors, j'étais du côté de la pastorale, surtout comme intervenante. On était quand même un petit groupe. Alors, j'étais la responsable de ce petit groupe de catéchètes. Et moi-même, j'étais catéchète pour deux de nos paroisses à ce moment-là. Et dans la Beauce, c'était à quel endroit? À Courcelles et à Lambton. Courcelles-Lambton, là où j'étais au niveau de la pastorale. Mais auparavant, j'étais à Saint-Georges. J'étais à Saint-Georges comme... En laissant la direction des filles, j'étais à Saint-Georges comme secrétaire paroissiale. Ça a été un autre défi, parce que je ne connaissais tellement pas ce milieu-là. Mais partout où je suis allée, j'ai trouvé des équipes extraordinaires. Et je pense que c'est à travers à partir de ce travail d'équipe que je me suis réalisée beaucoup aussi. Parce que je suis quelqu'un, une femme d'équipe, alors ça a été pour moi très enrichissant. C'est bon, donc vous avez œuvré donc beaucoup en éducation, et là, c'est ça, j'imagine que depuis quelques années, là, vous œuvrez peut-être plus au niveau des familles immigrantes là, comme bénévole. Absolument. Qu'est-ce qui vous a fait pencher pour dire, bien, je m'en vais aider ce type de personnes-là? Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'après que j'ai eu pris un an de repos, ressourcement, que j'avais besoin, j'ai regardé dans la région, je me suis dit, je ne sais pas, là où sont les plus grands besoins.
Alors, la première, je dirais, le premier engagement que j'ai pris, c'était à Famille Espoir. J'enseignais le français à des différentes nationalités aussi. Et en même temps, c'est que ça me mettait en lien avec le service d'aide aux Néo-Canadiens. Et quand, là, j'ai trouvé ça plus difficile, je dirais, de poursuivre dans l'enseignement, bien, je dis l'enseignement, en tout cas dans la francisation, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de nationalités différentes. Je me suis consacrée vraiment davantage au service d'aide aux Néo-Canadiens. Je suis allée rencontrer l'intervenante, celle qui s'occupait des bénévoles. Je lui ai dit mon intérêt et ça a été tout de suite qu'elle dit « Bon, bien, on a justement une petite formation qu'on donne, là, et tout de suite, vous pouvez commencer. » Alors, c'est un peu dans cette optique-là. Puis, c'est comme si c'était un peu dans une continuité de ce que j'avais vécu. Tu sais, on parle d'éducation, mais là, c'était, tu sais, éducation de la foi aussi, éducation de la personne humaine. Alors, je me retrouvais tellement dans cette dynamique-là. Et de fait, ça fait même depuis quelques années qu'ensemble, des fois, on regarde pour certains besoins en particulier parce que, moi, je côtoie quand même des familles qui ont des enfants et puis qui demandent pour la catéchèse, puis c'est là qu'on voit qu'il y a des besoins, des familles nouvellement arrivées aussi. Exactement. Et dans le concret, là, le qu'est-ce que vous faites comme aide, là, ces amis-ci? C'est que le service d'aide aux Néo-Canadiens, qui existe depuis plus de 60 ans d'ailleurs, c'est très organisé et à chaque semaine, on reçoit de la part de la responsable des bénévoles, Jenny, on reçoit, le calendrier, si on peut appeler ça, des besoins de la semaine. Alors là, ça peut être, bon, pour la visite de logement. Quand la visite de logement a eu lieu, ça peut être pour aller accompagner pour l'ouverture de compte à la caisse ou à la banque. Ça peut être pour aller aider à faire la première épicerie. Ça peut être pour aller aider pour les achats complémentaires, ce que l'immigration ne leur fournit pas. Ça, c'est surtout pour les personnes réfugiées, parce qu'il y a vraiment deux groupes. Et j'ai affaire aux deux groupes, les personnes réfugiées qui arrivent par l'immigration et les demandeurs d'asile qui, eux, arrivent avec, je dirais, aucune aide. Et je dirais, depuis un an à peu près, je me concentre davantage sur les demandeurs d'asile parce que je trouve que les besoins sont tellement grands. Alors, eux arrivent, puis ils n'ont absolument rien, sont dépendants de tout. Donc, j'essaie de trouver ce qu'ils ont besoin en termes de matériel. La seule chose que je ne fais pas, c'est avec les demandeurs d'asile, je ne fais pas la recherche de logement. Parce que souvent, quand ils arrivent, soit qu'ils ont connu quelqu'un ou quelqu'un les a référés pour un appartement, moi, je fais la suite, j'aide dans la suite de ça. J'imagine que lorsqu'on côtoie des gens qui arrivent au pays, qui sont un petit peu démunis, qui doivent comprendre comment ça fonctionne, il doit y avoir des moments assez touchants ou des moments où est-ce qu'on se dit « wow, je suis vraiment important là, dans leur vie, du moins pour débuter, parce que on part et on arrive dans un autre monde ici, c'est l'hiver, ça. J'imagine. » Absolument. Moi, je vais vous dire, c'est que quand ces personnes-là arrivent et que quand ils parlent le français, on peut communiquer davantage et déjà là, à cause, je dirais, peut-être de ma sensibilité aussi, puis de mon intérêt à la personne, j'arrive à entrer facilement en relation avec eux et je dirais c'est une relation de confiance qui se fait. Et assez souvent, ils vont commencer à me partager le pourquoi ils arrivent. J'entends des drames incroyables. Incroyables. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont dit bien, ils ne choisissent pas de venir. C'est la situation qui les amène à déménager. Puis souvent, ce qu'ils me disent, c'est à cause de nos enfants qu'on le fait. On ne veut pas que nos enfants vivent la réalité qu'on est en train de vivre. Alors, c'est des moments, là, je m'attache beaucoup
à ces personnes-là. Je m'attache beaucoup à ces personnes-là. J'entretiens des liens, d'ailleurs, avec plusieurs de ces familles-là. On est libre de donner notre numéro de téléphone, on est libre de poursuivre, mais je garde des liens avec ces personnes-là. Et je dirais, les demandeurs d'asile, c'est eux que je sens qui sont plus... pas plus démunis au niveau de, je dirais, de la formation. Parce que les gens arrivent avec de grandes qualifications. De grandes qualifications, hein, pour plusieurs. Mais c'est le fait que soit, bon, s'ils ne connaissent pas le français, c'est encore plus pénible. Puis s'ils connaissent le français, bien, au moins, je veux dire, on peut communiquer. Et là, après ça, je commence la recherche pour voir avec eux, j'ai contact, bon, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque. Et j'essaie d'être un peu comme la personne qui aide à ce qu'ils puissent trouver racine chez nous. Parce que je sais bien que c'est pas facile de s'enraciner dans une autre culture aussi. Et j'essaie aussi de voir que, bon, dépendamment de quelle culture ils sont, à quel endroit, par exemple, qu'il y a des épiceries, où est-ce que c'est qu'ils peuvent aller chercher quelque chose de leur culture, parce que c'est réconfortant pour eux. Parce que parfois, on entendait, ben oui, mais qu'ils mangent, qu'on mange. Mais c'est réconfortant, pendant un certain temps, le temps, je dirais, de l'adaptation, de pouvoir se nourrir de ce qu'ils connaissent. Après ça, oui, ça vient. Mais... alors, c'est, je dirais, je m'oriente vers je dirais, ce qui peut alléger un peu leur intégration. Est-ce qu'il y a aussi dans votre, justement dans vos contacts avec ces familles-là, ces personnes-là qui arrivent au pays, des fois des choses qui sont un peu questionnantes ou bien qui sont un peu révoltantes par rapport à la... comme de quoi que vous voudriez les aider, mais qu'il y a comme une limite, que c'est pas facile de pouvoir, tu sais, parce que j'imagine qu'il y a des défis particuliers. Peut-être nous parler de ces défis-là qui sont... Bon, c'est sûr que le premier défi, c'est celui de la langue. Mm-hmm. Quand c'est certain que le langage du cœur, on arrive à se comprendre avec le langage du cœur, mais quand même, c'est qu'il y a une barrière, veut, veut pas, au niveau de la langue, ce qui fait que c'est... Il y en a que, avec qui c'est plus difficile, mais... Je dirais, ce que je trouve, le défi qu'ils ont à vivre, et là où je me sens extrêmement limitée, c'est dans le temps que ça prend pour qu'ils puissent recevoir des autorisations. Je prends par exemple, les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de travailler. Alors, s'ils arrivent et que financièrement, ils n'ont pas grand-chose. C'est très difficile. C'est très difficile pour eux parce que tant qu'ils n'ont pas le permis de travail, puis souvent, ce n'est pas avant 3 mois. 3-4 mois, là. Bon. Puis même chose après ça, quand ils font leur demande pour d'être reconnus comme personne réfugiée, c'est long. Et là, actuellement, là, avec la pandémie, là, c'est encore beaucoup, beaucoup plus long. Et c'est dans ça, moi, je trouve ça tellement difficile. Alors qu'ils veulent s'enraciner, ils veulent servir, parce que ces gens-là n'ont pas connu l'aide sociale. Ils n'ont pas connu ça dans leur milieu. Alors, ils n'ont pas envie de, quand ils peuvent l'avoir, là, ils n'ont pas envie de rester longtemps là-dedans. Ils n'ont pas envie de rester longtemps là-dedans. Ils disent, on a reçu... Maintenant, nous, on veut donner, mais souvent, ils sont confrontés à, je dirais, ou encore, bon, ils veulent travailler, mais on demande des qualifications à n'en plus finir, et souvent, leurs qualifications ne sont pas nécessairement toutes reconnues non plus. Alors, ils ont à recommencer, à prendre des cours. Ils sont prêts à se recycler, comme on dirait, nous. Ils sont prêts à ça parce qu'ils disent, on trouve ça tout à fait normal. Si quelqu'un arrivait dans notre culture, on voudrait qu'ils prennent les... Le mode de fonctionnement, les règles. Exactement. Mais entre ça, puis qu'ils aient à commencer à zéro, moi, j'ai vu des personnes être obligées là, de changer d'orientation complètement
et d'aller travailler dans un restaurant comme plongeur, alors qu'ils avaient des qualifications en aide sociale comme infirmière et tout. Ça, je trouve ça difficile, parce que je me dis, hey, mon Dieu, si j'avais le pouvoir, je dirais, ben pourquoi pas les parrainer tout de suite? Pourquoi pas celui qui arrive, là, puis que c'est un médecin, pourquoi pas le mettre avec un médecin comme stagiaire pendant X temps? Mais au moins, il apprendrait en même temps. Mais le pouvoir est plus haut, plus loin. Quelle est la situation actuelle pour les immigrants et les réfugiés en Estrie, là, selon ce que tu vois? Là, j'imagine que ça fait depuis quelques années que tu vois évoluer les choses. Comment tu trouves ça ici en Estrie, la manière de fonctionner par rapport à l'accueil des immigrants? En Estrie, je dois vous dire que les immigrants sont très bien accueillis. On a une structure avec le service d'aide aux néo-canadiens, puis les immigrants le disent. Ils disent « Sherbrooke », puis là, ils me nomment d'autres villes. Ils n'ont pas ça. Mais « Sherbrooke », puis ils sont bien accueillis, ils sont bien accompagnés. C'est sûr que, je dirais, la difficulté, c'est qu'avant qu'ils puissent accéder à la francisation, parfois, ils sont obligés d'attendre des mois. Alors, c'est certain que si on avait peut-être, ce qui me vient là en échangeant, si on avait peut-être plus de lieux où est-ce qu'ils peuvent commencer à apprendre, ne serait-ce juste au niveau de la base, là. Ce serait aidant, parce que assez souvent, les enfants vont commencer plus vite, vont avoir une place plus vite que les parents. Et ça, je dirais, c'est un gros défi actuellement de faire en sorte qu'ils puissent commencer très tôt la francisation. Mais s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, puis qui disent, hey, j'aimerais ça vivre une expérience un peu comme Sœur Jeanne d'Arc. Dans le fond, est-ce qu'on s'adresse au service d'aide aux néo-canadiens, c'est un peu ça? Absolument. S'adressant au service d'aide aux néo-canadiens, puis ils n'en demandent pas mieux, hein, parce qu'ils ont besoin de bénévoles. Alors, en s'adressant au service d'aide néo-canadien, la responsable des bénévoles, c'est Jenny Lopez, et elle rencontre la personne. Après ça, bien, c'est sûr qu'il y a une enquête qui se fait, parce que maintenant, c'est ce qui doit être fait aussi, et ils le font dans les règles aussi. Et après ça, bien, elles donnent, ils ont une petite formation pour mieux connaître d'abord ce que c'est que le service d'aide aux Canadiens, c'est quoi les différents programmes qui sont offerts. Et après ça, bien, ils jumellent. On jumelle toujours une bénévole qui a une certaine expérience avec une nouvelle bénévole. Et j'ai eu la chance, moi, souvent, de faire ça. Puis je trouve ça tellement agréable parce que les nouvelles bénévoles veulent apprendre aussi, ils veulent entrer en contact. Et les gens, je dirais, le contact avec les gens, c'est très facile, le contact avec les gens. Ils sont tellement reconnaissants. Ils sont reconnaissants du moindre petit geste. Je regarde, là, pendant la pandémie, je peux pas aller visiter des familles. Ça me manque énormément. Mais j'appelle. J'appelle pour voir comment ça va, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis, sont tellement contents qu'on puisse garder contact avec eux. Surtout à ce temps-ci, parce que je regarde la dernière famille qui est arrivée. Elle est arrivée 2 jours avant le confinement. Alors, elle n'a pas pu avoir de lien avec d'autres personnes. Parce qu'encore récemment, à un moment donné, ils n'avaient pas de laveuse, pas de sécheuse, avec 3-4 enfants. Là, j'ai dit, moi, je ne peux pas laisser aller ça. Alors, j'ai essayé de trouver des personnes qui pouvaient, elles, se rendre sans entrer dans la maison, mais qui pouvaient entrer plus en contact que je pouvais le faire, moi. Alors, j'ai pu leur procurer une laveuse, sécheuse. Parce que je dois vous dire que je ne suis pas seule, moi, dans cette belle mission d'Église. Ma communauté est vraiment avec moi. Ma communauté est vraiment avec moi. Je me sens soutenue parce que nous, on dit toujours, là où est une servante du Saint-Cœur de Marie, nous y sommes toutes.
Alors, beaucoup, même nos sœurs de Québec vont appeler puis dire, bon, bien, Jeanne d'Arc, on a telle chose, soit une de nos maisons fermes. Alors, on aurait telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient besoin? Donc, je dirais, la mission d'Église que j'ai, elle s'étend beaucoup plus loin qu'ici même à Sherbrooke. Ah oui, oui. Wow, c'est beau, ça. Oui. Peut-être en terminant, peut-être nous dire un petit peu c'est quoi soit la parole de Dieu ou bien un saint ou une sainte de quelle vous inspirez pour, en tout cas particulièrement pour cette mission-là d'Église auprès des gens qui arrivent ici et puis vous aider. Non? Ce matin, quand à l'adoration que tu animais d'ailleurs, j'ai été très rejointe parce que justement, une de ces paroles-là, « Demeurez en mon amour parce que je vous ai appelé, je vous ai envoyé pour que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. » Alors, c'est vraiment, moi, cette parole qui me motive dans cette mission d'accueil, je dirais de compassion, parce que le fruit que je veux porter, ce n'est pas mes fruits. Je veux vraiment porter le fruit, les fruits de l'esprit, et particulièrement ce fruit de l'amour. Et pour ça, bien, demeurer dans mon amour, bien, je pense que si je demeure, ça va travailler le cœur, ça va le réchauffer, puis à mon tour, bien, je pourrai, à ma mesure, aider, réchauffer le cœur de ces gens qui arrivent, qui ont tant besoin d'être compris, besoin de compassion, besoin d'accueil pour aider à s'enraciner et eux à leur mesure aussi. Sœur Jeanne d'Arc Poulin, merci d'être venue, d'avoir accepté d'être ce visage de l'unité pour cette semaine et puis en espérant bien sûr que d'autres visages de l'unité puissent se pointer dans les prochains mois. Parce que vous faites partie de la grande famille de l'Église et voilà, ben merci de nous avoir partagé un peu ce que vous vivez. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait confiance en ce que je pouvais apporter aussi dans ce projet.